Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui sur The Binding of Isaac pour jouer avec Sanson. Je sais pas si on a fait grand chose avec lui mais je sais pas, j'ai envie de le prendre. Voilà. Qui est là? Ok. Ça en fait un. Bon signe. Oh, et oh, me touche pas. Voilà, c'est mieux. Donc il y a potentiellement moyen de devenir très puissant avec lui si on tue beaucoup de méchants. Une clé, c'est bien, c'est un bon début. Les dégâts gratuits que j'ai pris également sont un très bon début. Ok. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de truc à faire exploser d'intéressant. Ok, on va gagner de la vie, c'est bien. On va perdre en vitesse. Je vais voir ce que ça donne. On s'en fout un peu. Très bien. Meurs. Mourez tous, voilà, très bien. Hop. Tac tac tac. Donc c'est intéressant pour les boss avec des mouches évidemment. Parce que là ça peut sérieusement nous aider. Hop. Ah, des sous. C'est bien. Ok, rien. Oh non. Non non non. J'ai brisé le cercle maléfique des trous d'araignées, non. Pourtant. C'est pas possible ça. Voilà, donc ça c'est fait. Et c'est parti pour le boss. Duke of the Flies. Bah ça tombe très bien. Duke of Flies. Donc évidemment, là on ne se prive pas de tuer les petites araignées autour. Hein. Enfin, surtout les grosses, vu que ce sont les grosses qui nous courent après. Voilà. Comme ça après on lui fait bien plus mal. Allez, allez. Plus on en tue, plus on lui fait mal. Peut-être le tuer avant qu'il m'en mette encore plein. Voilà, ça y est, c'est bon. Tu m'en as mis assez dans la tête. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, HP up. Je ne m'en plains pas. Et je prendrai peut-être mon truc pour voir qui on a pu tuer avec Sanson. Je crois qu'on a tué personne. Si, peut-être Blue Baby, mais je suis pas sûre. Pour voir qui il nous reste. Course of the Unknown. Ok. C'est pas grave, j'ai pas mal de cœur, il me semblait. Pour... Donc, on ne voit pas combien on en a, c'est pas grave. Il me faudrait une bombe là. Je vais essayer de le prendre, mais je suis peut-être full. Je suis full. Ok, donc si on se fait blesser, il y a un cœur là. Et là, il nous faut une bombe. Ok, une et deux. Maintenant à toi. Très bien, toujours pas de bombe. Ah! Bon, là ça va me servir. Meurs. Meurs la mouche, voilà. Ok, donc maintenant je vais vous attaquer sauvagement. Oh là! Il est bas. On va aller voir ce qu'il y a là. Oh 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 oh. Pas trop d'endroit où se cacher avec ces cacas. Ah là là, non. C'est bon, j'en ai un. C'est un peu dangereux cet ennemi. C'est un ennemi dont je ne raffole pas. Hop. Très mignon certes, mais bon quand même.
assez dangereux quand ils nous foncent dessus. De toute façon, de règle générale, je déteste les ennemis qui nous foncent dessus. Ah, j'ai une bombe, ça y est. On va aller pouvoir faire exploser l'autre truc pour voir potentiellement ce qu'il y a dedans. Ah, récupérer le cœur dont j'ai besoin également. Allez. En fait, j'ai pas pris l'item parce que j'attendais de voir si jamais par hasard on pouvait tomber sur une clé définitive. D'ailleurs, je vais toujours attendre. Je pense pas qu'on soit en difficulté au point d'en avoir besoin tout de suite de cet item. Donc, hop. Ah bah, on aurait pu tomber sur la salle secrète en même temps, ça aurait été cool. Bon, c'est bien. Hop. On va aller voir quand même ce qu'il y a à gauche. Avec un peu de chance, on tombera dessus. Quoique là, on est moins en manque. Oh putain, d'accord, ça m'a explosé dans la tronche. Là. Ah, si tu pouvais exploser là. Voilà, très bien, merci. Ah bah super, ça va m'aider, je pense. Oui. Hop. Bon, je dois être quand même pas mal, je pense. Du coup, on va aller voir l'item parce que sur le boss, il y a quand même peu de chances qu'on ait une clé définitive. Ah, bien, ça, ça me fait un bouclier temporaire, c'est cool. Est-ce que j'en ai besoin? Non, je suis full cette fois. Ok. Donc on sait qu'on a un cœur là si le boss nous blesse. Et on est parti pour le boss. Hop. Y a-t-il autre chose d'intéressant? Non, pas vraiment, non. Ok, le boss. Dingle. Ah oui, oui, ça va m'être utile, je pense, du coup, le bouclier. Ah, voilà. On va le foncer dessus, voilà. Le bouclier. Ce serait une chose pas mal. Il y a 7 ou 9 secondes, je crois. Bon, là, j'ai plus le bouclier. Ça m'aura aidé un bon moment quand même. Attention. Ok, bien, on l'a eu. Nickel. Screw. Tears plus speed up. Or, speed up le speed up ne va pas me faire du mal du tout. Étant donné que je suis un peu en manque. Oh, ok, des petites araignées pour moi. Oh, un cœur. Oh, un deuxième cœur. Oh, bah, j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance. Alors, comme j'ai été blessée, on va aller chercher un cœur rouge. Cœur rouge qui est resté, je crois, dans la salle de l'objet, il me semble. En toute logique. Oui, c'est bien ça. Ah bah, je suis full. Ok. D'accord. Et eh bien, monde suivant. Enfin, niveau suivant. Allez. On est parti. On est parti, on est parti. Il faudrait peut-être que je regarde moi qui j'ai fait avec lui. Hop. Ah, je fais des bêtises. J'ai fait clic droit. Alors, attendez. Tac, tac. Tac, tac. On a tué Blue Baby avec lui. Oui, c'est bien ce qui me semblait. D'accord. Donc, on partira en enfer si jamais on y arrive. Nope. Ah là 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 là, sale chiante, sale chiante. Ok, donc on est bien, on remercie nos amis les araignées là, qui nous auront un petit peu aidé quand même. On en aura plus qu'une. Ah, bouge. Ah là là, mais bouge. Il faudrait que ça pète vite en fait, t'es loin de moi. Je suis encore en course of the non. Pourquoi je vois toujours pas ma vie? C'est quoi ce délire? Ok. J'avais pas vu ça, que j'étais en course of the non encore. Ah. C'est pas bon ça. Ça veut dire grand danger. Je fais comme eux, vous voyez, hein, je suis un objet de la salle définitif, n'est-ce pas? Ok, ça ne m'aura rien apporté. Super.
Donc il n'y a rien en haut, rien à récupérer, rien du tout. Oh putain. Oh là là, non, non, je ne veux pas mourir. Ah non, mais non, mais zut. Ok, super, 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 super. Pourquoi j'ai très peur? Voilà. Parce que avec ce monstre, il y a toutes les raisons d'avoir peur. Encore un monstre qui nous fonce dessus, comme je disais. Bon, je vole pas encore, mais sait-on jamais. Non, il n'y a rien. Ok, alors je garde la main sur mon bouclier, évidemment, n'est-ce pas? Le malheur peut m'arriver sur la tronche n'importe quand. Rien. Mais rien du tout. C'est quoi cette punition absolue? Puis de quoi on me punit d'ailleurs? Ok. On va éviter d'aller au boss avec tous les dégâts qu'on a pris, n'est-ce pas? Ok, hop. Oui, je pense qu'on peut se le permettre. Oh, super, ça nous avance beaucoup. Est-ce que les pilules ça m'intéresse? C'est une blague! C'est une blague! Des items les plus pourris du jeu. Est-ce que j'ai envie de tenter? Pas du tout en fait. Mais est-ce que faudrait tenter? Pourquoi pas? On va tenter, écoutez. Hein. Qui ne tente rien à rien. Ah, super. On va attendre que ça passe. Bon, plus tant qu'à faire. Celle aussi. C'est une blague. Ok, on sait ce qui est mauvais maintenant. Ah bon. La poisse. Bon, je me sentais pas. Vous voyez, des fois quand on ne sent pas les choses, il y a des bonnes raisons derrière tout ça. Faudrait des cœurs en fait. Bon, si ça se passe mal par la suite, on ira voir dans le magasin. Si par hasard, il n'y a pas des cœurs. Tu pourrais le tuer ces choses là. On va aller voir dans le magasin du coup. Ok, c'est quoi cette espèce de croissant rouge là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un trinket je pense. Ça doit être un objet. Alors c'est un espèce de pansement rouge. Voilà. Ça augmente mes dommages et également le spawn des méchants. Et ça s'appelle champion belt. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vous propose d'essayer ça. Télépide. Ok. Bon. Voilà, ça c'est fait. N'est-ce pas? Donc on va aller voir le boss. Notre vie aura été bouleversée par toutes ces pilules. Hop. Alors ma vie, je sais pas où elle en est par contre. Justement en parlant d'elle. Ok. On va essayer de se faire ça. L'avantage c'est que à chaque fois que je tuerai une boule, normalement ça augmentera ma puissance. On va essayer de se débarrasser ça avant que ça m'explose à la tête. N'est-ce pas? Explose loin de moi. On va prendre le cas. Comment ça je suis fou? C'est quoi ce délire? Shot speed up. Ok, the moon, ça m'emmène au magasin je crois. Oh bien! Le bouclier, super, merci. Ok. Bah on passe au monde suivant. Niveau suivant, mais il faut que j'arrête de dire monde. Je me crois dans Rayman, c'est pas possible. Ok. Alors voilà. Course of Darkness. Ouais. Je suis trop contente. Ok, là y'a rien. Ouvre la tête. Ah, ah. De toute façon, faut qu'on les tue. Hein. C'est un secret. Donc on a un terrain de jeu limité pour faire ça. C'est tout. Du coup, ça va être chiant.
qu'on en ait un. Allez, attaque-moi. Voilà, c'est bien. Oh merde. Évidemment. Ah, me prenez pas trop difficilement. Please. Merci. On va éviter les mouches. Vous n'avez pas d'inconvénient. Je préfère. Ah, j'aurais peut-être pas du tout utilisé au tour précédent, c'est pas grave. En espérant avoir d'autres. Ah oui, ils vont me viser personnellement. C'est eux qu'on vise en premier, bien sûr. C'est logique. Voilà, une clé, c'est bien. Une clé, c'est le bien. Si vous m'attaquez trop, j'utiliserai mon bouclier magique. Donc soyez pas trop vilaine avec moi non plus. Je te voyais pas, toi, t'étais noir dans moi. Ah, ça explose. On s'enfuit. Ah, ça c'est saoulant ça. Je me dis. Mon bouclier divin m'a protégé un petit peu. C'est cool. Attention, attention. Ok, on les a eu un petit peu. Il est où mon bonhomme que je peux nourrir? Petit mendiant. Ok, tu es là, tu es juste à droite de la salle rouge. Ok. Hop, faudra pas qu'on perde hein, quand même. Ça m'a l'air grand. Ok, tiens bon pour l'instant. Tiens bon. Tiens bon. Allez, meurs. Toi, tu étais les piles, tu ne m'intéresses pas. Rends-moi mon magasin portatif. Merci. Hop. Actuellement, je fais pas grand bobo. Hein. Oh oh. Oh, ce bouclier est génial, ma foi. Ça m'a évité des centaines de dégâts gratuits. Actuellement. Ok, ça c'est fait. Tac tac, c'est parfait. C'est parfait, on retournera au mendiant plus tard. J'ai la flemme, c'est trop loin là. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Ça. Voilà. Ça m'en donnerait une. Ouais, on va la garder. On va garder notre bombe pour plus tard. On va. Hop, non. Rends-moi mon magasin portatif. Retournez voir le mendiant. Voir ce qu'il a à nous donner. Hop. S'il nous le donne tout de suite d'ailleurs. Ce qui n'est absolument pas dit. Ça c'est bien ça. J'ai peur. Allez. Ah c'est bon. Ah HP up. Bien. Ok, donc on va aller voir à droite. À la limite je devrais faire le boss maintenant en fait. Je vais faire le boss maintenant vu que mon bouclier est chargé à 100%. En gardant ma téléportation. Bah à la limite je devrais garder cette téléportation là. Voilà. Vu que je suis full, hop là, voilà. The Husk, bon. Ah, ça là, il crache des araignées, hein. Ah là 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 là. Ça se fait. Allez, meurs. Tue l'araignée tant que t'as le bouclier. Dégâts gratuits, évite le trop plein d'araignées aussi.
Voilà, voilà, voilà. Alors. Est-ce qu'il y a qui m'intéresse? Bad gaz. Ça, c'est quoi? Range down. Super. Bad gaz. Balls of steel. Ça, c'est bien. Télépils. Bad gaz. Bad gaz. Télépils. Ok. Donc, on se renvoie en arrière. Je vais reprendre mon The Moon. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, on va aller à droite. Est-ce qu'il a craché? Oui, il a craché le mendiant, c'est bon. Bon, on va aller là. On sera vu. Oh putain. La salle du cauchemar. Bon, au moins les verts tuent un peu les rouges le long du chemin. D'ailleurs, je préférerais tuer les rouges plutôt que les verts tout de suite, si possible. Ok, ça y est, c'est fini. Ok, bon, soit. Ici, il y a quoi? Ok. Je fais une jolie lueur rouge, d'ailleurs. Oh, bien, Scapula. Oh, je suis encore plus jolie. Bon, haut à droite, il me semblait qu'il y avait des salles qu'on avait laissées, donc on va aller voir ce qu'il y a. Également. Hop. On est parti. Attention. Oh là là, j'étais protégée par le bouclier, c'est bien. Ah c'est vrai que j'ai plus le scapulé sur ma tête. Et oui, et oui, et oui. Ok. Les sous. Les sous c'est bien. C'est toujours bien les sous de toute façon. Ok, cette salle, on la connaît, on l'a déjà eu. À la partie précédente. Mais cette fois nous avons eu un verre doré. Super. Ok, bon c'est très bien, une clé, je ne dis jamais non à une clé. Bien au contraire, on s'est fait la méchante Babel, c'est super. On s'est fait un petit verre. On a une autre clé, bien. Alors celle-ci, elle commence à me gonfler par contre. Voilà, ah bah ça valait le coup en fait. Est-ce que ça vaut peut-être le coup qu'on aille voir en magasin vu qu'on a 15? Je pense que ça vaut le coup qu'on aille voir en magasin. On va aller voir. Par contre, on va garder notre téléportation dans le magasin pour un endroit plus dangereux. Comme ça, ça nous fait une téléportation plus une ouverture de magasin gratuite, ce qui est pas mal. Et je pense que dans Depth, ça nous sera plus utile qu'ici. On va voir ce qu'il y a. Ah, et la lune, ça fait quoi? Ça c'est une bad gaz, on s'en fiche. La lune ça fait quoi? C'est une lune bleue. Je la vois. C'est un boomerang. C'est un item qu'on peut lancer pour ramasser des choses et pour tuer des gens. On s'en fiche. On va garder bien évidemment notre bouclier qui est quand même 10 000 fois plus utile que ça. Ok, donc on va sauter dans le trou. Donc là, on arrive. Je crois qu'on arrive dans Depth. Et oui. Course of the Maze. Ok, très bien. À la limite, on pourrait... Et oui. À la limite, je serais bien tentée... Non, mais c'est une salle comment? Tu peux te le faire maintenant, celui-là? Oh là là, ça va faire très mal. Ok, donc lui c'est fait. Voilà. Non mais... voilà, voilà, et je lance mon truc du mauvais côté, super. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Allez, mais meurs. Attention, attention. Ok, donc ça c'est fait. Ok, donc lui c'est fait aussi. Tac. Ok, ça c'est fait aussi. Bouge.
pouvez mourir, merci. Où est l'autre? Il est là. Ok, meurs. Je déteste ces salles de gloutons. En plus, les grandes salles comme ça, c'est... c'est pire que tout. Ok. On va aller là. J'ai bien envie d'aller là. De toute façon, si ça se trouve, ça nous emmènera ailleurs. Ah bah non, ça nous a amené là. Oh là 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 là, mon bouclier, merci. Attention. Voilà, là c'est bien. Ou pas. Je rêve, je rêve, je rêve. Mais quel boulet. Je suis un boulet, c'est pas possible. Allez, explose. Bon, très bien. Des cœurs et des pièces d'or, ça va. Ok, un bout. C'est le fantôme du bout de la partie précédente qui vient de monter. Ok, on l'a eu. Et il y a un cœur en plus, c'est très bien. Merde. Ça nous a amené dans une salle pas cool, ça. Ok. Ma foi, on peut remonter cette fois? Ah oui, mais je suis pas full vie, donc je peux plus y aller du coup. Faudrait que je sois full vie encore. Oui, mais c'est vrai que j'avais dit que ça valait pas le coup parce que c'était des coffres gris. C'est vrai que pour des coffres gris, c'est un peu dommage. Un peu du gâchis. Attention, on va y arriver. Ah, boum. Heureusement, ça m'a protégé. Speed down. J'ai que des mauvaises pilules. C'est pas possible. On se fout de moi. On va descendre. Ok, donc ça, ça va. Hop là, voilà. Ces bruits sont charmants, toujours, n'est-ce pas? Oh oh. Oh oh oh. Ça ne m'a rien donné. Bon. J'ai très peur. Ouais, visez-moi volontairement. Allez, viens là. Ok, en plus ça ne me donne rien. C'est super. C'est super, c'est super. On va aller voir là. Ok. La salle de l'item, je prends. Oh, le D8. Oh là là. Et mon... Oh là là. D20. Pourquoi j'ai dit D8? C'est pas grave. On va garder le bouclier pour le recharger. Mais oh, ça peut être utile ça. Oh là 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 là. Mais il me faudrait une salle d'arcade. Il me faudrait une salle d'arcade. Allez, meurs. Je crois qu'on va quand même garder le bouclier parce que le bouclier dure longtemps. Hein. Et ça pour moi, ça peut être vraiment. Vraiment utile. Bon, j'ai envie d'aller dans la salle d'à côté. Et en bas. Je peux, je peux. C'est pas possible, à chaque fois que j'ai envie d'aller dans une salle, c'est une salle comme ça. C'est une lag. Ok. Donc ça c'est fait. Voilà. Ici. Voilà, très bien. Ça double mes clés. Voilà, on reprend The Moon. Oh, ça c'est pas bon. Alors ça c'est pas bon du tout. Faut qu'on se débarrasse d'abord des anges. C'est cauchemardesque. Voilà. Les anges c'est fait. Et d'un, on va le débloquer. Oh non.
Dégâts gratuits, dégâts gratuits. Ok. Mais arrête! C'est pas possible ça. Heureusement il y a des cœurs plus haut. Ok, donc maman va venir nous poutrer la tête. Voilà, c'est fait maman. Ce n'est pas fini. Ok. C'est fini. On essaye de descendre. Oh là là, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Il n'y a que des salles comme ça ou quoi? Ok, donc à la partie précédente, c'était la malédiction des araignées. Et là, c'est la malédiction des têtes. C'est chiant qu'elle traverse les murs et pas moi. C'est très très chiant. Ah, c'est bien, j'ai eu la grosse. J'ai eu la petite. Bon, j'ai rien donc je vais prendre ça évidemment. On va aller chercher des cœurs avant de combattre le boss. Hop. Finir les salles, bien sûr. Oh, je crois pas que ce soit là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. Hein. Et oui. J'en ai un là au-dessus. Il est là. Et j'en ai un encore dans la salle au-dessus. Si j'y ai accès, j'y ai accès, super. Ok, ça m'arrange, je voulais aller là. Allez, allez. Ah, un petit effort. Ok, et on va se faire l'ange, allez, meurs, voilà. On va aller voir évidemment ce qu'il y a dans le magasin. Si on est dans le croissant, on n'en veut certainement pas. On va prendre la clé et ça. Tout simplement, vous savez pourquoi? Parce que le sale, on s'en fiche. Vu que on n'a plus qu'un seul magasin et après dans l'utérus, il n'y aura plus de magasin. Je pense que ça sert à rien d'aller dans la salle. Hein. On va juste prendre des dégâts pour rien. Donc je vous propose d'aller direct au boss désormais. Oh, si on y arrive. Allez. Allez, allez. Hop, hop, plus qu'une. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, on est bon. The Gate. Ah là là. Bah, je suis contente d'avoir gardé mon bouclier. Plutôt qu'autre chose. Je vous le dis. Je suis ravie. Allez, meurs. C'est chiant. Allez, meurs. Rapido presto, merci. HP up. Ça aussi, c'est bon. Allez, donc du coup, on passe au niveau suivant. Step 2. Hop. On va d'abord aller là. Ok, super. Ah, cette fois, on n'a pas Course of the Maze, tant mieux. Ni Course of the Unknown, c'est très bien. Sur le niveau de maman, ça m'aurait un peu fait chier. The Stars. Oh, ça faut qu'on le garde. Ça montre le chemin, The Stars. Donc on va le garder précieusement. Ah! Pour... comment ça s'appelle? Pour l'utérus. Voilà. Alors très précieusement, ça c'est précieux. Ok, donc ça on l'a eu. Voilà, hop, hop. On va quand même attendre de voir si on n'a pas un truc un peu plus puissant niveau... comment ça s'appelle? Niveau comment ça s'appelle? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que je cherche d'ailleurs? Niveau clé, oui, voilà. Si on n'a pas une clé super puissante avant de rentrer dans... Attention, il m'attire. Pas beau, meurs, meurs, meurs. Pardon. Ok, on va faire péter ça. Ça ne sert à rien, je suis con. Pardon. Ok, on va retourner en arrière. Hop. On veut notre item, évidemment. Ah, j'ai reposé The Stars. Ah bah oui, oui, oui. Faudra surtout pas que je l'oublie. Hein.
Ouais, d'ailleurs, ce manche, je devrais l'utiliser ici. Hein. On finit cette salle et puis on utilise The Moon. Parce qu'après, ce sera plus qu'une carte de téléportation lambda. Étant donné qu'il n'y aura plus de magasin, il pourra m'amener dans une salle encore pire que celle dans laquelle on sera. Et dont on aurait voulu se sortir. Donc on va l'utiliser now. Ah non, c'est la salle secrète. D'accord, je sais pas. J'ai confondu, c'est pas bien. C'est très pas bien. Alors ça va être chiant. Ce sont pas ceux qui crachent, ce sont ceux qui ne crachent rien. Ça ne m'arrange pas avec son son. Évidemment, j'aurais préféré avoir ceux qui crachent. Hein. Donc ils sont de l'autre côté. Ils peuvent y rester, ça m'arrange. C'est pas garanti. Hein. Ça va leur faire des dégâts, évidemment, mais... C'est pas garanti qu'ils restent de l'autre côté. D'ailleurs, je suis très étonnée qu'ils soient passés, par contre. J'avais jamais vu ça. Hein. D'habitude, ils restent toujours du même côté. C'est bien, ils sont beaucoup plus calmes, là. C'est très bien. C'est parfait. Voilà. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais au moins on est sûr. On va garder nos cœurs. Disons que c'est pas la peine de les perdre bêtement. Ah, bon débarras pour celui-là. À toi. À toi, à toi. Allez. Oh non, il a craché un truc. D'où il a craché quelque chose? Un rose pâle qui crache quelque chose. Waouh. Ok. J'avais jamais vu ça non plus. Mais dites-moi, mais cette pièce est très... Oh oh oh, très nouvelle. Très avant-gardiste. Ok, alors hop. Oh la salle de la merde. Ah ça va, je peux attaquer en fait. Ce sont ceux que je peux attaquer. Ok. Ouf, ça va faire mal. Ah c'est bon. Ok. On va y aller. Molo, molo, molo. Tadam. J'adore cette musique. Elle est superbe. Et j'adore ce boss aussi. Il est superbe aussi. C'est mon chouchou. Enfin, ce boss, ce mini boss. Vous m'avez comprise. Hop là. Ok. Ouais, donc je sais que j'ai des cœurs là si jamais j'ai un problème. C'est bon à savoir, il y en a plein en plus. Plus que dans la salle d'après. Ok, donc on va traverser ça. Hop là. On revient en arrière. On va aller vers le bas. Salle chiante, ça encore. Faut se faire les petits, j'ai dit. Faut se faire les petits, pas les gros. Si ça explose avec ton copain. Explose, explose. Oh merde. Oh merde. Allez. Allez, loin de moi, loin de moi, loin de moi, loin de moi. Ok, c'est bon. Loin de moi aussi. Allez, 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 allez. Voilà, c'est bien. Ok, du boom, des cœurs, c'est cool ça. Attention à mes fesses. Actuellement. Bouge. Le bouclier m'a bien aidé. Le bouclier ne m'a plus aidé. Très bien. Alors c'est bien, ça valait le coup de venir ici. Ah. Ok, donc on y retourne.
Est-ce que ça vaut carrément le coup? Au moins il n'y a plus de feu qui peut nous blesser. Donc on tombe. Allez, allez, allez. On a eu deux, je crois. On en a une ou deux. Hein. Ok, on a tout eu, super. Donc ça c'est très bon. Ça c'est moins bon du tout. Ça c'est même pas bon du tout en fait. Comme ça. En plus ça va utiliser notre truc noir si on se fait cogner. Ce qui va arriver, voilà. Au moins on pourra sortir, mais bon. C'est comme si on n'avait pas ramassé de trucs noirs, mais ça nous aura donné un demi-cœur gris. Sur lequel on ne va pas cracher non plus. Certainement pas. On va reprendre les étoiles, voilà. On va descendre, on cherche la salle de l'item, hein, évidemment. Ah bon, on l'a trouvé, ça y est. En même temps, ça pouvait pas être gigantesque non plus. Ça avait bien une limite à un moment ou un autre. Vas-y, on fait plein de caca, donne-moi. De puissance, super. Je ne dis pas non. Attention, 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 attention. Reste dans les flammes, c'est bien, c'est bien. Tiens, va dans les flammes, toi aussi, voilà, c'est bien. Très bien. Maintenant, tous les petits caca meurent, voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Le magicien, peut-être. On va détruire les caca, on va garder le bouclier évidemment, c'est beaucoup mieux. Ok, on va aller voir le boss, maman. Y'a rien d'autre qui pourrait m'intéresser, non, non, non. Remarque, il y a peut-être une salle d'arcade, hein. Non. Non. Ah oui, ça, ça m'intéresse par contre. Effectivement. Ok, des sous. Ok, et ça me rend une clé. Très bien, je prends. Il n'y avait pas un magasin. Je l'ai pas trouvé encore. Bon, on va chercher le magasin parce qu'avec tous ces sous-là, c'est le dernier magasin qu'il y a. À moins qu'on tombe sur une salle d'arcade dans l'utérus, ça vaut le coup de chercher le magasin. Donc on va le chercher. On l'a trouvé d'ailleurs. Attention, le bouclier nous a aidé. Faire gaffe quand même. Parce que là on est entouré de trucs qui blessent. D'acide, je sais pas quoi. Ah non, merde. C'est con ça. Ok, on va voir le magasin. Ah, un pot, ça va me permettre d'emporter nos cœurs. Ah oui, mais merde, il y a le bouclier. Oh la con. Oui, oh, là, pas du pot. Oui, j'ai oublié que j'avais un thème qui était mieux que ça. Je vais quand même prendre une clé. Bon, on se barre. Bon, j'ai mal joué. Maintenant, si on tombe sur. Comment ça s'appelle? Sur une salle d'arcade, et eh ben on aura moins de sous. Bon, c'est pas très grave. On s'en remettra. Mais c'est con, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Ok maman, on est parti. Donc on va essayer de pas paniquer, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas mon fort, comme vous le savez. À force. Je pense que sur maman, je pourrais mourir contre une mouche sans difficulté. Tellement, ça me stresse. On surveille le pied.
Respire. Elle va respirer. Surveille le psy. Surveille le pied, j'ai dit. Respire, respire. Chut, chut, chut. Isaac. Isaac. On l'a eu, c'est bon. On va en enfer. On va en enfer et on a tout, donc on saute. Ok. Bon. C'est bon, on n'aura pas trop paniqué non plus. J'en ai perdu l'usage de la voix. Merde, Course of Darkness. Chiant. Voilà. On va faire de notre mieux. Oh là là, prends pas des dégâts gratuits comme ça. Voilà. Ok, plein de caca. Oh là là là. J'espère qu'il n'y a pas de maman. Non, il n'y a pas de maman. Meurs pas, meurs pas. Prends pas de dégâts. Prends pas de dégâts. Chut, chut. Pourquoi j'utilise pas The Stars? En fait, je compte le garder pour le deuxième niveau de l'utérus pour aller direct au boss. Ah non, mais non, mais non. Marc, on peut très bien tomber sur The Sun ou le monde hein, aussi, mais... Je préfère le garder pour le deuxième niveau. Ok. Ok. J'ai perdu tout ça dans mon cœur. Ah mais il y avait maman aussi, j'ai peut-être perdu des cœurs sur maman, j'ai pas regardé mes cœurs depuis, évidemment. Ok. Je me soupçonne d'en avoir perdu pas mal sur les caca quand même. J'en sais rien en fait. Je pense que je suis pas très objective. Je vais prendre ça. Avant d'être heureusement dans la merde. Je suis. Ah, coincée contre la merde là. Merde, merde. Oh, je perds trop de cœur, je suis en panique. Ok. J'aurais peut-être dû faire une pause entre maman et la suite. Je vais reprendre après, mais je sais pas. Faut que j'arrête de paniquer sur ce jeu, c'est terrible, ça nous porte préjudice plus qu'autre chose. C'est un jeu, ce n'est pas grave. Un jour j'arriverai à... relativiser maman, je pense. On n'y est pas encore. Ce jour-là, je change le champagne. Allez, meurs. Allez, 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 allez. Allez, 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 meurs. Allez. Mourez, mourez, mourez. Allez. Allez, c'est la mort. Ah putain, heureusement que mon bouclier était là. Pour me protéger de ma stupidité. De m'approcher des bombes qui explosent. Ok. Tous ces dégâts pris pour rien. Faut qu'on aille au sud. Enfin, j'ai envie d'aller au sud. Ah, c'est moi. Ok. Ok, on va aller au sud encore. On va éviter les mouches. Hein. Ok, donc on va bouger. Ok, on va continuer à aller au sud. Sauter comme des fous. Voilà. Ah, je te prends, oui, volontiers. Oh, volontiers aussi, merci. Et là, il n'y a rien, ok.
Super, donc on remonte de 2. Ah oui, il y a un trou là. Ok, on reste calme surtout, n'est-ce pas? On va à droite. En fait, j'essaie d'éviter la grande salle, mais vous allez voir que je pourrai pas l'éviter longtemps. Parce que la suite, ça va être là, je pense. Juste pour m'embêter. Ok, c'est par là. Évite de prendre des dégâts gratuits comme ça. Bouge. Ok. On descend encore. Ok, ça vaut le coup. Super. Mes clés. Mes clés. Rendez-moi mes clés. Intérêt à t'arrêter, ne serait-ce qu'une seule seconde. Je crois qu'il n'y en a que deux, donc il n'y en a plus qu'une, logiquement. Logiquement, voilà. On continue. Ok, on va éviter les dégâts gratuits. On va éviter ça. De ne pas paniquer parce que la panique est notre ennemi, n'est-ce pas? Et le boss est là. Et du coup, bah, on va y aller. C'est parti. Ah, Mama Gurdy. Ok, d'accord, très bien. On va souffrir, on va souffrir, on va souffrir, on va souffrir. La 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 la. Bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Ah, la 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 la. Bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Ah non, 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 et puis tes dégâts gratuits. Please. Ok, il est mort. Me donnez pas de cœur, surtout. Pas de cœur. Ok. Bon, niveau suivant. Par contre, il nous faut absolument des cœurs, absolument. Ça va devenir vite vital. Pas. Course of the Unknown. J'avais combien de cœurs? Pardon, ça montre pas le chemin. Cet item. J'étais sûre de moi. Sachez que j'étais sûre de moi. Ne vous arrachez pas les cheveux, ça m'aurait été très utile maintenant en fait. Maintenant tout de suite en fait, je dois avoir un cœur maxi. Je dois avoir un cœur maxi, bon très bien. Et dire que je l'ai gardé précieusement pour son inutilité totale maintenant. Voilà. Remercions mon nouveau bouclier. Ok, je suis morte. Non, très bien. Très bien, bon bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la prochaine fois. Faire gaffe également aux items dont nous sommes absolument certains. Voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.